à tous pour une nouvelle vidéo. Voici mon nouveau mock qui va participer pour le concours Dashbreak. Alors, c'est un mock durant la guerre de sécession nordiste contre sudiste, donc aux États-Unis, qui se déroule pendant la bataille de Wilderness, qui est gagnée par le général Grant, qui est un général sudiste, et là c'est des troupes nordistes commandé par le général Ulysse, qui sont en train de se replier. Alors, ici, il y a une pente avant de mener au mock un peu plus... Voilà. Alors du coup, la pente, il y a pas mal de végétation dessus, dont un arbre, un gros buisson, des mauvaises herbes et tout. Ici, on a un chemin avec 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 troupes nordistes qui se replient avec un chariot et un cavalier. Ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais bouger la caméra. On a deux villageois qui regardent ces hommes passer. Ben, on a une grande maison ici avec une porte en bois. Attendez, je vous la montre tout de suite. J'en avais un peu besoin. Voilà. Avec des fenêtres et tout. Alors ici, on a une planche. Dans la maison, il y a des détails. Ça va être du beau pendant le diaporama. Et derrière, on a un enclos d'un cheval. Alors, voilà, j'ai présenté. Maintenant, je présente. Alors ici, on a un cavalier qui est armé d'un sabre et d'un petit pistolet et qui est avec son cheval blanc et qui regarde les deux villageois qui sont tous les deux avec des chapeaux et avec un fusil. Ici, on a un nordiste en uniforme mais sans calot avec son arme. Un autre nordiste qui a son calot mais pas trop d'uniforme avec un petit pistolet. Un nordiste blessé ici ou mort. Un autre blessé et ici encore un autre nordiste qui arrive derrière. Alors l'enclos au cheval, il est ainsi. Du coup, ici on a le chariot qui est tiré par un cheval. Et puis ici, il y a un étage de quoi la maison. Ici c'est le rez-de-chaussée, là c'est l'étage avec ici le toit. Et voilà, j'ai à peu près fini pour les explications de ce mock. J'espère qu'il vous a plu.